Et ben on est reparti. Et du coup j'aurais attendu un petit peu voir si il y a des joueurs qui se pointent, mais vu que je suis au début du jeu, on va dire, en termes de mission principale, je suppose qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs qui sont rendus à ce niveau-là. Vu qu'il n'y a pas énormément de nouveaux joueurs, j'imagine. En tout cas, n'hésitez pas à vous y mettre hein, si vous connaissez pas. C'est un petit jeu sympathique, comme vous pourrez voir sûrement à travers cette vidéo. Donc la chambre de piège. Deuxième mission scénarisée. Du moins avec donjon, hein, parce qu'il y en a que c'est que du speech. Ah, désolé, je bois un petit café. Bon, oh, c'est un peu plus compliqué que la précédente. En tout cas, il y a eu un petit boss, c'était pas plus mal. Ça change. Bon, on va rester comme on est. Ça devrait le faire. Ouais, enfin, je suis pas trop sûr, mais bon, tant pis. C'est l'émission du début, c'est pas compliqué. Alors, taper dessus quoi, plutôt. Ok, 6 pour nous montrer. Ok, j'ai oublié ça. Comme ça, c'est pas trop de mal de repasser dans les trucs de tuto. Voilà. Ah oui, c'est là, ouais. Je crois qu'il... Ah non. Je pensais qu'ils pouvaient se blesser entre eux, les ennemis, mais non. Ok. Ouais bon. C'est le tuto mais on s'y prend comme un pied. Ah, ça c'est des cages. Allez. Tout ça pour ça. Bon, on va s'occuper de lui. C'est vrai, ils sont invincibles. Oups. Ils vont jusqu'au bout, je pensais pas. On va d'abord casser ça. On peut tirer dessus, ça.
J'avais oublié. Là, libéré. Il faut tirer dans la cage. Il va nous suivre apparemment. Ok. Voilà. Non, c'est pas fini. Merde, ça n'allait. Bon. Trop là, tout ça pour ça, pour me reblesser derrière, mais tant pis. Et voilà. Il n'y aura pas eu de boss cette fois-ci. Donc, on a fait ça. Non. Je me suis trompé quelque part, là. Attendez. Voilà. C'est 3, voilà plutôt. On a fait ça et ça. Ça, ça a été fait. Ça aussi, hein, je crois. Hein. Ok, je suis pas sûr. C'est du speech, en tout cas. Voilà, bon, on va prendre un peu plus sur ça là, sur les minéraux qu'on peut trouver ici et là. La Crimstonite, Moonstone, Valstone et Luminite. Enfin, Luminite et Dark Matter. On peut en prendre 4 à la fois. On peut prendre le plus grand, en principe.
Ok. Donc ça se partage quand c'est en groupe. Ouais, c'est pour les sprites. C'est leur nourriture. Et voilà qui est fait. Je sais même plus ce que je viens de faire, c'est ça qui me perturbe un peu. Ça je l'ai fait avant. Ça aussi, donc c'est ce que je viens de faire alors. Parce qu'il y avait eu un speech. Ah, ça doit être ça à mon avis. Ça c'est encore un speech, on dirait. C'est pas ce que je viens de faire des fois. Si c'est ça. Oui, bon. C'est déjà plus ce que je fais. On va créer un groupe ouvert pour le niveau 3-1. On va bien voir, c'est du monde qui se pointe. Donc au pire des cas, ce que je vais faire, c'est que je vais couper là, dans... pour YouTube. Et je reprendrai s'il y a quelqu'un. Bah, s'il y a personne, tant pis, j'irai tout seul aussi, mais bon. On essaiera de faire une coupure pour éviter de rester là à attendre. À ne rien faire. Donc à tout de suite.
Bon, eh bien, toujours pas de joueur en vue, tant pis. On y go. Ça va aller vite, de toute façon. J'espère que ça va finir par un boss, ça serait bien. Je sais plus trop c'est quoi là par rapport aux couleurs là. Mais tant pis, c'est comme on est. Ça devrait être bon. Bah il est ici. Il nous a course. C'est un peu foiré. Le truc c'est bizarre, vraiment, ça fait tout disparaître. Voilà, bon. C'est un cul-de-sac de l'autre côté. Faire le tour. Non, c'est bon, c'est fait. Voilà, on a rappelé ça aussi. Donc ouais, en ombre on est bien là parce que la plupart depuis tout à l'heure ce sont des ombres. Donc, ça va.
Pour l'équipement, ça va, on n'a pas fait trop n'importe quoi. Donc faut aller où là? C'est tout le monde bien je crois. Je sais même plus. Où est-ce qu'on vient de là? Ouais, on vient d'ici. Donc faut aller là-bas, mais on va aller en bas là-bas. Ouais, c'est bien ce qu'elle me disait, un truc. On va prendre le plus gros. Hein. Vu que nous nous faut le jaune en principe, mais... Là, il n'y en a pas. Bon, c'est le mauve là-bas qui est le plus gros. Hop. Et c'est fini. Ah, c'était bien. Fantôme, enfin, ombre. Au niveau de l'élément. Et on va pouvoir upgrade notre pistolet. Donc on n'aura pas fait ça pour rien. Et ça continue. C'est en trois parties apparemment. Donc là ça va être l'avant-dernière. On va upgrade notre fenêtre pendant qu'il est encore temps. Ça sert à rien d'attendre justement ça. Quand c'est full, c'est full. Donc c'est ça. On va maximiser nos chances de le booster. On va essayer de passer au niveau 5 et avoir plus de chaleur. Ce qui est réussi. Non, on n'a pas eu plus de chaleur par contre. On est passé au niveau 5. C'était ça. Et donc, ici par contre là c'est vraiment un autre biome, là, ça change. Je pense que c'est nature qu'il faut. Ah c'est la nuit, c'est la clair de lune. Ah quoique, c'est peut-être ombre. On va rester comme ça je crois. Allez, on est parti, tant pis. On continue comme ça. J'aime bien l'ambiance, l'environnement. C'est joli. Avec le clair de lune. Et voilà, ça sera mieux quand même. On est full là je crois. On a déjà une. On va essayer d'en servir sur... Bon y'a personne, tant pis. Comment on fait pour la ranger du coup? Je vais l'acheter quoi. Bon, on va aller voir là-bas. Voilà, y'a qu'à demander.
On a bien fait de rester en nombre, hein, c'est bien ça. Ça se trouve, c'est le jeu qui se fait... qui s'adapte à l'équipement, je sais pas, mais... ça me paraît bizarre. En tout cas, tout à l'heure, on a de la chance, c'est bien ça. Là, c'est pas les cristaux qu'on trouve dans les herbes. C'est de la monnaie, mais c'est comme dans celui-là. Ah, ça m'intéresse. On va échanger. C'est les papillons à faire tuer là, ceux qui remettent de la vie aux créatures. Et il y a quand même des balaises. Ok, le machin qui ouvre, voilà. Ça va ouvrir ici. On va s'occuper des papillons en priorité. Voilà pour lui, il n'en reste plus qu'un. Et voilà, c'est bon, c'est réglé. Plus de papillons. On peut s'occuper du reste. Il y a forcément un interrupteur quelque part, voilà. Et voilà, mission complétée. Mais en quoi c'est pas mal qu'on s'est scénarisé, c'est quand même mieux. Je sais pas trop ce qu'il a lui. Il a l'air apeuré. Donc ouais, c'est parti. Petit siège, je suppose qu'il y a quelques vagues d'ennemis qui vont arriver. Boss, et voilà, c'est fini. Nous sommes arrivés à la fin, encore un étage, je crois, et c'est terminé. Eringalo, you not let the lichen fuse too far. Désolé, je vois pas trop ce que tu veux me dire pour l'instant. Let the lichen fuse too... Ah, sorry. I don't understand. Et voilà qui est fait, c'est déjà ça. Donc on était où là? Où est-ce qu'on était? C'était ça je crois. Ouais, on a bien de faire ça, ouais. Donc c'est ça la suite. On fait ce qu'on enchaîne. Oh, je pense que je vais arrêter là, tant pis. On aura fait déjà d'autres missions. Faire un petit tour à la place de la ville.
Narcos 9. Ce qu'il me faut, ouais, c'est la nourriture pour le sprite là. Je sais plus comment ça s'appelle. Divine truc, ouais. En tapant divine, ça me semble trouver ça. Je me suis fait avoir l'autre fois, j'ai pas pris la bonne chose. Il y a plein de divines, mais c'est... Non, c'est pas ça que j'ai besoin, moi. Non, c'est pas ici. Divine mode, voilà. Je pense pas qu'il y avait ça. C'est pas les mêmes on dirait, enfin, je sais pas, si. J'en ai pas des comme ça déjà. Divine Dust, Divine Stone. Ah non, j'en ai pas de ça. Et on va en prendre je crois. x2 à 500. Là, une seule. C'est bien ça là, c'est x2. Hein. C'est maintenant à 900 ou 500 aux enchères. Et là c'est pareil. Bon, ça y est en même en fait. Là par contre aux enchères, je sais pas si c'est pas cher ça. Voilà, ça sera fait, puis on va en prendre là. On va prendre les deux, je crois. Ou une seule. Alors, on va en prendre une seule pour voir déjà. C'est 450. C'est fait. Donc comment je fais maintenant? Nulle part. On va le récupérer peut-être avant. Oui. Peut-être oublier ce truc là. Comment je fais? C'est pas dans la boîte, ouais c'est ça. Voilà. Ça sera mieux comme ça j'imagine. Et donc là en principe je l'ai maintenant. Comment ça se passe? Ah faut que je le mette là, ouais, oh là là, j'ai du mal. Non? Mais c'est pas ça quoi que j'ai pris. Ah c'est pas vraiment la même, hein, oui, c'est ce que je me disais. C'est le même nom mais ce sont pas les mêmes. Ouais, bon, je m'en suis encore fait avoir, quoi. Comment je fais sinon? Ah bah non, c'est bon maintenant. C'est quoi ces conneries? Bon, bref. Bon, je pensais qu'il allait grossir. Bon, en tout cas, on sait c'est comment ça se passe. C'est pas trop tôt. Donc ça y est, il a pris un petit peu en XP là. Non, je me trompe, c'est là. Décidément. Point de compétence disponible. Et... on lui met où? Ok, c'est là.
tire un faisceau de lumière concentrée qui endommage tout sur la ligne attaque. Réduit le temps d'attente de compétence. Augmente la portée. Augmente la durée du rayon. Moi, je pense qu'on va faire ça pour l'instant. Ça me reste un cran à faire. Bah, allez, on va finir ça et après encore on fera le reste. Confirmé. Bah voilà, ça y est, enfin j'ai compris comment on s'occupe de lui. Pas trop tôt. Bah, j'avais dû déjà le faire, mais j'ai oublié depuis le temps. Bon bah je crois qu'on va partir sur sur une autre petite mission du coup quand même. Allez. C'était jouer soldat. Créer un groupe ouvert. On va attendre quelques secondes et on va voir si c'est du monde qui se ramène. Comme d'hab, je mets en pause et je verrai ce que je ferai selon si il y a du monde ou pas, sinon bah, on continuera. En tout cas, les francophones, là, je viens de voir, même des français, ouais. Sur le chat, là, je peux, j'ai pas fait attention depuis tout à l'heure, mais j'étais tellement en fond dans le leveling du sprite. Donc voilà, à tout de suite.